tu sais, tout dépend de toi. Tu n'as qu'à le dire et je serai là. Yo la famille, c'est comment? Voilà, Schneider a fait cette vidéo là, c'est juste une petite réaction que je veux faire. Voilà, elle sera vraiment vraiment pas longue cette vidéo. Je veux parler du groupe PNL. Ah! Vraiment, j'arrive pas à comprendre. Hein. Je les connais pas trop, mais ces derniers temps là, leur album Deux Frères m'a obligé à les connaître quoi, à les découvrir. C'est quoi ça? Je comprends pas. Il y a les Mad Game qui sont là, il y a les Booba, il y a les Black M, les gars qui font pas trop de bruit et puis comme ça. En moins d'une semaine, déjà 10 de platine. Tiens les gars, dites bien votre affaire là, après moi je comprends pas, sérieusement même. Ah! Et chers abonnés, dites-moi, est-ce que vous les connaissez? PNL là. Ademo et Nos, le frère Ademo et Nos. Franchement, les affaires là, ça me dépasse. Il réfléchit jusqu'à quand il n'arrive pas à trouver la réponse. Ah! Jamais vu dans l'Europe. Jamais vu. Le premier groupe hip-hop à être le plus streamé dans le monde sur Spotify avec 19 millions d'écoutes. Et gars, j'espère qu'on n'a pas signé pacte. Si ça, c'est une histoire de Dieu, franchement, Dieu vous a donné ça même. Parce que moi-même, ça me dépasse. Il n'arrive vraiment, vraiment pas à comprendre. Je crois en deux jours, vous avez fait le Dix d'or. Et là, on n'a même pas encore fini même la semaine parce que la pomme est sortie le 5. Le 5 avril dernier. Vous avez déjà votre 10 de platine. Je pense que vous courez maintenant votre 10 de diamant. Hein, parce que franchement, votre histoire là, ça me dépasse. Je ne m'intéresse pas trop au rap français, mais... Actualité oblige. Si je ne parlais pas de PNL, si héritage de Cher TV, c'est que moi-même, je suis un youtubeur même décalé, il n'y a pas... qui est vraiment pas la mode, quoi. Parce que c'est le groupe du moment. Ah! Quand tu écoutes un morceau aussi, c'est vrai, ils ont de bons beats, des tests hardcore chantés. Ouais, mais bon, ce n'est pas aussi extraordinaire que ça. Pour tout cet engouement, là. Le groupe français qui ose, je vous dis qui ose, je ne peux pas dire qui a osé refuser un remix demandé par Drake. Franchement, il savait sur quoi il comptait. Ouais. Quoi? PNL. L'album s'appelle Deux Frères. Et c'est du costaud. C'est du costaud. C'est les mecs, ils ne sont pas dans les histoires de featuring. Ils sont pas dans les histoires de... Non. Ils sont dans les mondes. Ils sont dans les mondes. C'est eux seuls. À part eux, il n'y a personne. Et effectivement, c'est en train de payer. Hein, c'est en train de payer. En tout cas, félicitations les gars. Et je prie que vous fassiez, que vous fassiez maintenant le 10 de diamant en émoi. C'est possible. De toute façon, vous êtes en train de courir déjà. Vous êtes déjà dépassé les 100 000 exemplaires vendus là. Franchement, c'est pas le 10 de diamant qui va retarder. Peut-être que vous l'aurez même avant un mois. Franchement, PNL de frais, c'est du lourd. Et puis, j'invite tout le monde à aller écouter sur les plateformes payantes. Spotify, Deezer. Et Amazon, Apple Music, tout ça. Franchement, respect les gars, respect. Moi, vous connaissez pas, mais votre album Deux Frères là-bas obligé à vous découvrir. Respect. Yeah. Oh. Tu sais, quand l'album est sorti, ils sont allés de record en record. La plus grande écoute en 24 heures, ils ont battu le record. Dix d'or, je crois, en 2 ou 3 jours, ils ont battu le record. Maintenant, aujourd'hui, 10 de platine. Respect. PNL, respect. Respect même. Yeah. Vous vous rappelez, j'avais partagé le truc ODD là, l'équipe ODD, ils ont fait près de 10 millions en moins de 2 jours et plus de 8 millions en un jour. C'était jamais vu. Déjà, les gars, ils ont aimé. Bon, c'était la petite vidéo aussi PNL. Hein. Voilà, partagez si ça vous a plu. Et puis sachez que moi, je suis désormais fan de PNL Group. Ciao, ciao les amis.